Le minimum commun, c'est de dire, voilà, on va faire la cacheroute et le shabbat pour que tout le monde puisse y être. Personne ne pensait à cette époque que manger cachère, c'est une atteinte à la liberté. J'ai parfois le sentiment que beaucoup de représentants de la communauté francophone en Israël, loin de perpétuer cette sensibilité-là, cette recherche-là du consensus, sont très souvent aux extrêmes. Vous connaissez tous la Midreshet Yehuda Manitou. Eh bien, nous sommes ensemble pour parler eh bien, d'une initiative de sa présidente, Brigitte Ulmo-Blia, ici présente. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bienvenue. Vous avez décidé d'organiser un espèce de débat qui s'appelle « Reconnaissance, vivre ensemble ». Pour en parler, nous avons en Zoom Denis Charbit. Bonjour Denis. Bonjour, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. On est ravis de vous avoir tous les deux en plateau. Pourquoi cette initiative, Brigitte ? D'abord parce que nous avons vécu ces derniers mois un ébranlement profond de la société israélienne. Évidemment, quand on connaît l'histoire, ça n'est pas le premier. Nous essayons de comprendre l'enseignement de Manitou et Manitou avait un principe de base dans son enseignement qui est l'unité des valeurs. Alors c'est pour ça que vous avez choisi d'inviter des personnalités complètement différentes qui pensent vraiment pas la même chose. Si on est tous d'accord, il n'y a aucun intérêt. Ok. Alors, Denis, vous êtes en Israël depuis très longtemps. Est-ce que, d'après vous, ce vivre ensemble dont tout le monde parle a-t-il vraiment existé un jour en Israël ? Ah, il existe parce que nous sommes tous des citoyens israéliens. Donc, à ce titre, voilà, c'est une nécessité, c'est un devoir. C'est quelque chose qui ne va pas de soi. Et ça ne va pas de soi parce que, même si nous sommes tous des citoyens israéliens, c'est vrai que nous appartenons à des communautés différentes et en Israël, à la différence de la France, elles ont une visibilité, elles ont des représentations politiques et que bien évidemment, qui dit politique dit distribuer les ressources, distribuer les richesses et que bien sûr il va y avoir des débats là-dessus et c'est vrai qu'on est tous d'accord pour admettre que cette crise que nous avons vécue, qui n'est pas encore terminé, il faut bien le reconnaître. Bah oui, il faut dire que samedi soir, voilà, il y a une recrudescence. Samedi soir, recrudescence des manifestants à Tel Aviv. Donc oui, effectivement, c'est peut-être pas terminé. Voilà, et donc dans ce contexte-là, je pense que toute occasion de pouvoir se parler et pas être dans simplement de parler avec les proches, avec les siens, avec ceux qui pensent comme nous. Moi, je réponds tout de suite j'ai répondu aussitôt dès que j'étais invité par Brigitte Ulmo-Blia parce que je trouve que ce sont de très très bonnes initiatives. Alors, c'est pas pour convaincre, je n'ai surtout pas la prétention de penser que je vais convaincre quelqu'un, mais si tant est que je puisse moi me mettre à l'écoute des revendications des autres et que le public, l'auditoire ou mes interlocuteurs puissent comprendre le lieu d'où je parle, ce qui me trouble, ce qui m'inquiète, etc. Je pense qu'on aura fait un grand pas. L'idée, encore une fois, c'est pas de faire venir quelqu'un dans son camp en quelque sorte, mais d'essayer derrière les slogans de comprendre ce qui inquiète les uns et les autres et qui sait peut-être, sans se substituer aux pourparlers qui ont lieu sous l'égide du président de l'État d'Israël, essayer de, voilà, sinon de trouver des solutions, en tout cas de proposer des principes qui nous permettraient de nous réconcilier. En fait, cette histoire de réforme a fait ressurgir, on va dire, des conflits endormis, des non-dits depuis la création de l'État d'Israël. C'est bien ça, c'est bien pour ça qu'on est dans une crise un peu compliquée. On n'est pas dans une crise compliquée. Il y a toujours eu des camps différents dans la société israélienne. Je dirais que la réforme, c'est une partie du tout, et bien que je sois juriste, c'est évidemment pas davantage. Ce qui me paraît important, c'est de chercher les points communs que nous avons ensemble. Vivre ensemble, c'est... Bon, regardez par exemple en France, au ZEI, il y avait ce qu'on appelait le minimum commun. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, j'étais au ZEI quand j'étais petite. Et le minimum commun, c'est de dire, voilà, on va faire la cacheroute et le shabbat pour que tout le monde puisse y être. Hein. Notamment, ça a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les maisons, etc. Et personne ne pensait à cette époque que manger cachère, c'est une atteinte à la liberté ou respecter shabbat. Moi, chez moi, on respectait pas
pas Shabbat, on ne mangeait pas kasher. Je n'ai jamais pensé une seule minute que le fait que dans les camps, on respectait le Shabbat, c'était une atteinte à ma liberté. C'est une autre mentalité. Mais peut-être on pourrait progresser avec, en recherchant des points communs. Et peut-être même, c'est à la mode le mot, des intérêts communs. Notamment aussi avec, il y a un représentant qui va venir du parti chasse, bien que ce n'est pas un vrai représentant des Haredim, parce que ma foi, il a fait l'armée et il a toujours travaillé, mais enfin bon. Il est quand même représentant du parti chasse. Oui, oui, il va parler à ce titre-là. Taïeb. Je pense que rechercher aussi ce qui nous unit, quel est notre intérêt commun, je pense que c'est important. On a parlé d'Yossi Taïeb qui sera présent, qui va débattre avec Denis Charbit. Il y aura aussi le docteur Ephraim Herrera. Alors, Denis, donc on a entendu Brigitte, on a entendu ce qui vous anime. Est-ce que vous pensez que les anciens immigrants de France, qui ont vécu comme ça dans un espèce de melting pot de gens très différents, etc., qui ont connu des révolutions, après tout, je pense bien sûr à 1968, est-ce que vous pensez que il y a une prédisposition pour justement bien mieux s'écouter, mieux s'entendre et trouver ce qu'on a de commun justement. Ah, vous me posez une redoutable question, Cathy, parce que, comment dirais-je, je fais partie de ceux qui estiment que avec le bagage que nous avons eu acquis, qui en Algérie ou protectorat marocain ou tunisien, mais surtout en France, où la plupart d'entre nous sont passés avant de venir en Israël. Il y en a qui sont venus directement d'Afrique du Nord en Israël, mais on sait bien que la plupart des immigrants venus d'Afrique du Nord ont transité par la France et par la France républicaine, sans parler de la France de mai 68. Je trouve qu'on aurait dû être beaucoup plus outillés et beaucoup mieux outillés pour favoriser effectivement cette définition du minimum commun. Je reconnais que j'ai parfois le sentiment que beaucoup de représentants de la communauté francophone en Israël, loin de perpétuer cette sensibilité-là, cette recherche-là du consensus, sont très souvent aux extrêmes, voilà. Mais peut-être que c'est pour ça que c'est intéressant de participer à un débat pareil, pour se rendre compte finalement si c'est pas une idée reçue de ma part, et que effectivement ce bagage-là, intellectuel, cette sensibilité-là, formée à l'école de la République, eh ben ne devrait pas être plus présente et peser un peu plus. Alors d'abord parmi les francophones, et puis au-delà, pourquoi pas, de la société israélienne. Ça, c'est vrai que j'y crois beaucoup. Alors, ce débat aura lieu, il faut quand même le dire, dimanche 11 juin à 19h au centre Riba 75 boulevard Herzog. C'est gratuit. Je crois que c'est 30 shekels, quelque chose comme ça. Et tout le monde peut venir. Il suffit pas on s'inscrit pas, on vient directement. Non, c'est mieux de s'inscrire parce que ça nous permet de mieux s'organiser. Il y a déjà 70 inscrits, mais enfin quand même. On mettra le lien sur la vidéo. C'est une question d'organisation, tout simplement. J'ai une question évidemment importante, puisqu'on a beaucoup parlé des Haredim, des orthodoxes pendant cette période. Est-ce que finalement, alors Denis, puisque vous êtes le seul présent, je vous la pose à vous, est-ce que vous pensez que ils ont finalement un rôle un peu inattendu à jouer dans la société israélienne d'aujourd'hui? Je vais répondre dans le contexte de ce qui s'est passé depuis 4 mois. On a dit que ça a divisé le peuple, l'opinion, etc. Quand on y réfléchit bien, je suis pas certain, et voyez, je le dis de manière presque autocritique, globalement, ça a touché les classes moyennes supérieures de gauche et de droite. Voilà. En gros, je vais mettre les pieds dans le plat, vous me connaissez, Cathy, suffisamment pour savoir que je parle franc, mais toujours très respectueusement. En gros, les Arabes n'ont pas participé au mouvement. Les orthodoxes n'ont pas participé au mouvement. Je vous rappelle que les leaders ont demandé à leurs ouailles de ne pas aller à la grande manifestation qui a eu lieu il y a un mois et demi environ au Gan Sakher à Jérusalem, enfin près de la Knesset. Et les orientaux non plus, les juifs originaires. Alors pas classe moyenne, parce que là pour le coup, Brigitte et moi nous les représentons, mais je parle des classes populaires. Et à cet égard, tout en prenant bien conscience de l'importance de ce moment, je ne dis pas ça pour sous-estimer l'importance de ce qui s'est passé, mais il est vrai que une grande partie de l'opinion publique israélienne finalement a regardé le mouvement en spectatrice,
qu'elle y soit un peu favorable ou qu'elle y soit plutôt opposée. Et à cet égard, oui, c'est important de faire participer beaucoup plus de gens et d'en entendre beaucoup plus. C'est vrai que les Haredim sont très présents dans la société israélienne. Ils sont très critiqués, mais en même temps, ils sont très utiles, entre guillemets, puisqu'ils donnent des services à tous, à toute la population. Je pense aux grandes associations, grandes organisations comme Ezer Mitzion. Je pense à tous les Gmachim, à tous les prêts prêts d'argent. Il y a toutes sortes de services qui sont donnés par la communauté orthodoxe pour tous. Est-ce que vous allez aussi, parce que quand vous dites reconnaissance, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un manque peut-être de reconnaissance aussi de leur place dans la société israélienne, Brigitte ? D'abord, j'ai l'habitude de dire que les Haredim sont nos frères. Et je le dis d'autant plus souvent ces derniers temps que j'ai noté une certaine haine vis-à-vis des Haredim au motif que, tout simplement, ils ne font pas l'armée. Pas tous, et ils ne travaillent pas, donc c'est une charge pour la société. Donc c'est important de rappeler que ce sont nos frères. Ce qui est important par rapport au Haredim, c'est de voir la tendance. C'est une société en pleine évolution, à mon avis. Il y a un livre intéressant, écrit par un Haredim, en hébreu d'ailleurs, qui « Quand les Haredim deviendront la majorité ». Mais c'est écrit par un Haredi, si vous voulez ça. C'est le cauchemar des Israéliens. Parce que comment il a commencé son œuvre, il était une fois, comment on appelle ça, Rukbaïd, c'est-à-dire chez des amis pour quelque chose de politique. Et il y avait un représentant du parti travailliste qui disait, qui montrait tout ce qu'il faisait pour encourager les Arabes à entrer sur le marché du travail. Alors lui, il lui dit, pourquoi tu ne travailles pas avec les Haredim ? Et l'autre lui dit, fais-le toi-même. Et c'est ça qu'il a fait. Alors c'est quand même très, très intéressant. Il y a une évolution qui est absolument nécessaire. C'est ce qu'il dit, lui. Que à la fois il y ait bien sûr des institutions qui leur conviennent pour qu'ils acquièrent une formation professionnelle beaucoup plus élevée et aussi pour qu'ils rentrent à l'armée. Alors, à mon avis, dire que ces institutions sont contraires à la démocratie parce que c'est séparé hommes et femmes, c'est stupide à mon avis, parce que il y va de l'insertion des Haredim dans la société long terme et de l'avenir d'Israël, de l'avenir du pays, bien sûr, clairement. Bon, alors évidemment, on ne pourra pas faire le débat, ce n'est pas l'objet. Hein. C'était juste une teima, comme on dit. On vous met un petit peu l'eau à la bouche de ce qui va se passer le dimanche 11 juin. J'espère que les gens seront nombreux, parce que c'est vrai que c'est un sujet passionnant qui nous touche à tous. Et puis, la diversité des intervenants est aussi très enrichissante. J'imagine que ça va être vraiment réussi. En tout cas, bravo pour l'initiative, Brigitte. Je voudrais dire un mot, c'est qu'après avoir invité les gens, je me suis dit, oh là là, mais c'est terrible. Ils sont tous séfarades. Non seulement ça, il y en a deux qui viennent de Tunisie. Bon, et quant à moi, je suis devenue séfarade par le mariage. Alors donc... Faites la balance, c'est vous qui allez faire la balance. Ben non, parce que je suis devenue séfarade, ça fait quand même de très nombreuses années, moi aussi. Alors, je me suis dit, c'est terrible, va y avoir des gens lésés dans cette affaire, ce sont les Ashkénazes, voilà. Ben, c'est pour la petite blague. Bon, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir répondu présent aujourd'hui. Et rendez-vous donc dimanche 11 juin à 19h au centre Riba. À bientôt. Merci Cathy. Ciao. Et merci Denis. Bye bye.